queremos agradecer a la facultad, al Instituto de Psicología Clínica, por darnos el espacio para realizar esta actividad. Lori Lofer ejerce el psicoanálisis y es la directora del Instituto des Humanités et Sciences et Sociétés de la Unidad de Formación en Investigación. Autora de varios artículos sobre las cuestiones de normas, psicoanálisis y género, y sobre el psicoanálisis y la literatura. Dirige la obra Foucault y la psicanálisis, y con Florence Rochefort, ¿qué es el género? Compiladora de cartas a Lacan, y con Sandra Bonnier, D'après le savoir et la chair, Généalogie du sujet chez Michel Foucault. Autora de Susurros del arte del psicoanálisis y Por un psicoanálisis emancipado. Reanudar la subversión. Y con Serge Effet, Question de Genre, codirige actualmente con Sandra Bonnier la traducción al francés de Gay Shame, editado por David Halperin y Valérie Trouve. Y hoy viene a ofrecernos la conferencia Género y psicoanálisis en la modernidad. Nos propone: el ser sexuado solo se autoriza por sí mismo y por algunos otros, decía Lacan. Esta conferencia se propone poner en perspectiva esta fórmula e intentar describir lo que Lacan llamaba desde su deseo una renovación en el dominio de Eros. En efecto, ¿cómo llevar al acto a lo que Freud mismo decía de su invención? Open to revision. Y asegurarse de que el psicoanálisis no se vuelva una lengua muerta en el campo de Eros. ¿Son los aportes de los gender studies en materia de sexo y de sexualidad la promesa de esta renovación? Se tratará de explorar las tentativas recientes de reformulación de lo sexual, de la sexualidad y la identidad sexuada fuera de las fórmulas canónicas del campo analítico. Aun cuando lo sexual es el campo de emergencia del psicoanálisis, ¿es posible considerar una teoría y una práctica del psicoanálisis que renueven el discurso sobre la sexualidad? Bueno, le damos la palabra. Muchas gracias, profesor Marcelo Novas. Muchas gracias a todos, todas, todos, to todes. Me gustaría mucho hablar español para la conferencia, pero no me lo siento. No, ça, tu peux le traduire, c'est pas la peine de le traduire en français. Je veux remercier beaucoup Marie-Laurence Gléville pour sa traduction. Agradecer la traducción. Sí, un grand merci. Et je remercie aussi les membres de l'école lacanienne de psychanalyse, Sandra Filippini, Gonzalo Perkovic, José Asandri, pour cette invitation ici. Et je renouvelle mes remerciements à la faculté de psychologie. Je suis très heureuse d'être à Montevideo. Ça fait 10 ans que je ne suis pas venue et j'ai bien l'intention de rester quelques jours. Bonne semaine. Agradece a todos los miembros que mencionó de l'École Lacanienne de Psicanálisis y a la Facultad de Psicología. Está muy feliz de estar aquí en Montevideo. ¿Nos escucha? ¿Ahí se escucha? Sí. Bien. Está muy feliz de estar aquí en Montevideo y piensa quedarse unos días. Je vais vous présenter un peu l'état de mes recherches actuelles sur ce qu'on appelle le genre, la psychanalyse et l'articulation entre genre et psychanalyse. C'est une recherche qui est en cours, qui a donné lieu à une publication, mais je pense que les choses bougent beaucoup et donc voilà, je serai très heureuse de partager avec vous ces questionnements aujourd'hui. Les va a presentar el estado actual de sus investigaciones en cuestiones de género. La articulación con el psicoanálisis y está muy feliz de estar hoy aquí para eso. Les psychanalystes, certains en tout cas, aiment à se rappeler les premiers temps de la psychanalyse et l'atmosphère de scandale qu'avait suscité l'apparition des trois essais sur la sexualité infantile à l'aube du XXe siècle. A los psicoanalistas les gusta recordar los primeros tiempos del psicoanálisis y la atmósfera de escándalo suscitada por la publicación de los tres ensayos de teoría sexual en los albores del siglo XX. Cette subversivité de l'invention freudienne concernant le sexuel
est à ce point ancrée dans la représentation qu'a la communauté analytique de son origine, qu'il devient aujourd'hui de plus en plus difficile de percevoir et de critiquer les effets normatifs de certains énoncés théoriques. La subversión de la invención freudiana en lo concerniente a lo sexual está tan arraigada en la representación que la comunidad analítica se hace de sus orígenes que hoy resulta cada vez más difícil percibir y criticar los efectos normativos de enunciados teóricos. De ces énoncés théoriques qui constituent certains fondements de la théorie et de la pratique analytique, comme par exemple la différence sexuelle, le complexe d'Œdipe, la jouissance ou encore le réel. Que constituyen ciertos fundamentos de la teoría y la práctica, como la diferencia sexual, el complejo de Edipo, el goce o incluso lo real. Tout se passe comme si ces fondements n'étaient ni traversés par l'histoire, ni hybridés par d'autres discours épistémologiques. Es como si estos fundamentos no hubieran sido atravesados por la historia ni hibridados por otros discursos epistemológicos. Est-ce la raison pour laquelle Lacan appelait de ses voeux, je le cite, un renouvellement dans le domaine de l'éros? Freud, comme Lacan, ont sans cesse eu à cœur de laisser ouvert le champ à l'inventivité et à la réinvention, c'est le mot de Lacan, et à la réinvention de la psychanalyse. ¿Será por eso que Lacan apelaba a una, cito, renovación en el dominio de Eros? Tanto Freud como Lacan se esforzaron constantemente por dejar el campo abierto a la inventiva y a la reinvención, como decía Lacan, del psicoanálisis. Open to revision, comme Freud le disait lui-même dans l'analyse profane, telle est l'orientation que nous donnent à la fois Freud et Lacan. Et comme le disait Michel de Certeau, qui est un historien épistémologue, je le cite, là où la psychanalyse oublie sa propre historicité, c'est-à-dire son rapport interne à des conflits de pouvoir et de place, elle devient ou un mécanisme de pulsion, ou un dogmatisme du discours, ou une gnose de symboles. El psicoanálisis debería estar open to revision, como lo dijo el propio Freud en Análisis profano, o para nosotros, pueden los dedos ejercer el psicoanálisis. En resumen, como dijo de Certeau, ahí donde el psicoanálisis olvida su propia historicidad, es decir, su relación interna con los conflictos de poder y de lugar, se convierte o bien en un mecanismo de pulsiones, o bien en un dogmatismo del discurso, o en una gnosis de símbolos. Et Michel de Certeau rajoute quelque chose qui me paraît tout à fait importante. Je le cite. Nos sciences sont nées avec le geste historique moderne qui a dépolitisé la recherche en instaurant des champs désintéressés et neutres. Alors avec des guillemets, ce mot neutre est évidemment un mot sur lequel on pourra revenir. Donc, instaurant des champs désintéressés et neutres, soutenus par des institutions scientifiques. Ce geste, c'est toujours de Certeau qui parle, ce geste continue bien souvent à organiser l'idéologie qu'affichent certains milieux scientifiques. Il faut donc, aujourd'hui, repolitiser les sciences. J'entends par là réarticuler leur appareil technique sur les champs de force à l'intérieur et en fonction desquels il produit des opérations et des discours. C'est d'une certaine façon assez foucauldien, ça. Ouais. De Certeau continue. Nuestras ciencias nacieron del gesto histórico moderno que ha despolitizado la investigación, instaurando campos desinteresados y neutros, entre comillas, podremos hablar luego en este término neutros, sustentados por instituciones científicas. Con mucha frecuencia, este gesto continúa organizando la ideología que ostentan ciertos medios científicos. De ahí que hoy sea necesario repolitizar las ciencias, es decir, rearticular su aparato técnico en los campos de fuerza en su interior, en función de los cuales produce operaciones y discursos. Pour illustrer la tension entre l'inventivité possible et la rigidification théorique concernant la question du genre et des sexualités, j'aimerais mettre en regard deux positions épistémologiques actuelles. D'une part, on peut lire sous la plume d'un psychanalyste, Jean-Gérard Bernstein, en 2015.
Para ilustrar la tensión entre la posible inventiva y la rigidez teórica en la cuestión del género y de las sexualidades, compararemos dos posturas epistemológicas actuales. Por un lado, Jean-Gérard Bunstein, psicoanalista, escribió en 2015. La psyché, donc je le cite, hein, je cite, ah voilà, c'est bien, super. Ah non, ça c'est Michel de Certeau. Je vais vous citer le psychanalyste lacanien. Va a citar este psicoanalista lacaniano, Bunstein. Eso es la cita de Michel de Certeau. Uh-huh. Entonces, es posible de la siguiente. Sí. Là, est perfecte. Ouais. Déjà, el psicoanalyste lacaniano, ça veut dire que déjà ça existe. Non, eso es, c'est une aparté, n'est-ce pas? Donc, la psychanalyse lacanienne se caractérise par son approche de la question de la... Ah, entonces, lo leo en español directamente. Oui, je peux le dire. Ah, claro, claro, sí. Okay. Es mejor, ¿no? Les leo es lo que está en la diapositiva. El psicoanálisis lacaniano se caracteriza por abordar la cuestión de la diferencia hombre-mujer en términos de diferencia de goce, lo que define como goce fálico y otro, con mayúscula, goce, y no en términos de conductas sexuales y sociales. Este imperativo metodológico obliga a separar el campo de los estudios antropológicos e históricos del campo de los estudios psicoanalíticos sobre las relaciones entre los sexos y sus vínculos con las relaciones de parentesco, donde los términos hombre y mujer no hacen sino designar los elementos alternativos de una estructura caracterizada por diferentes formas de goce inconsciente. En nuestro mundo posmoderno, estas reflexiones teóricas arrojan luz sobre cuestiones ideológicas acerca de la diferencia entre sexo y género. J'allais dire, entonces, là c'est un ajout. En fait, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que pour la psychanalyse lacanienne telle que décrite par ce monsieur... Lo que es interesante en esta citación para el psicoanálisis lacaniano que describe este señor... Est-ce que ces questions de différence entre sexe et genre sont d'emblée des questions idéologiques? Que estas cuestiones de diferencias entre sexo y género son de entrada cuestiones ideológicas. Et qu'il s'agit de laisser, de séparer des champs d'études anthropologiques et historiques des champs d'études de psychanalyse. Se trata de separar campos de estudios entre lo antropológico. Y les études de genre, les études de psychanalyse. Y los estudios de psicoanálisis. C'est pourquoi le geste de Jean Alouche, qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, quand il a fondé, entre autres, avec d'autres, les éditions, les grands classiques de l'érotologie moderne. Por eso es que hace más de 20 años el gesto que tuvo Jean Alouche al fundar los clásicos, como por ejemplo la érotología moderna. Si, les grands classiques de l'érotologie, cette collection, c'était évidemment à la fois un geste épistémologique et politique. Era a la vez un gesto epistemológico y político. Donc ça, c'est une première position de la psychanalyse lacanienne. Et d'autre part, Javier Saez, qui écrit en 2005... Esta es una primera posición del psicoanálisis lacaniano. Y por otra parte, tenemos a Javier Saez, que escribe en 2005... La siguiente, por favor. Sí, la comunidad. Tú puedes leer, es la citación. Leo la citación. La comunidad analítica no ha entablado debates serios sobre estas cuestiones. La teoría queer lleva muchos años analizando y criticando el psicoanálisis en profundidad y publicando numerosos libros y revistas donde se utiliza el psicoanálisis en los estudios de género, arte, literatura y cine. Solo algunos psicoanalistas han tenido conocimiento últimamente de esta ingente obra y han decidido rellenar esta laguna tan llamativa. L'École Lacanienne del psicoanálisis, por ejemplo, con su colección de clásicos de la erotología moderna. Hablando en lenguaje psicoanalítico, se podría decirse que la teoría queer es el síntoma del psicoanálisis, un silencio que expresa que de eso, entre comillas, no quiere saber nada. Hablando en lenguaje queer, podríamos decir que esa cuestión es el talón de Aquiles del psicoanálisis. Donc, je n'ai pas proposé à ce qu'on vienne en haut talon aujourd'hui. No voy a proponer que vayamos al talón hoy.
Ce que je trouve intéressant dans cette citation, c'est le fait de dire que la théorie queer est le symptôme de la psychanalyse. Lo que le parece interesante de esta situación es de esta citación, perdón, es decir que la teoría queer es el síntoma del psicoanálisis. Pour l'un, donc, il s'agit de séparer les champs épistémologiques en imaginant une étrange psychanalyse repliée sur elle-même et ses concepts. Et pour l'autre, la théorie queer est donc le symptôme de la psychanalyse. Por un lado, se trata de separar campos epistemológicos imaginando un extraño psicoanálisis replegado sobre sí mismo y sus conceptos. Y por otro, cito, la teoría queer es el síntoma del psicoanálisis. Je pourrais même dire, en m'inspirant de Xavier Haer, que les études de genre ou le genre sont le retour du refoulé théorique et épistémologique de la psychanalyse. Me atrevería incluso a decir, siguiendo a Haes, que la cuestión de género y los estudios de género son el retorno de lo reprimido teórico y epistemológico del psicoanálisis. Comme le disait Jean Laplanche, le genre est un impensé de la psychanalyse. Como decía Jean Laplanche, el género es un impensado del psicoanálisis. Et là encore, dans une perspective épistémologique, je cite Laplanche. Y asimismo, en una perspectiva epistemológica, cito ahora a Laplanche. Masculin et féminin est la première différenciation que vous faites quand vous rencontrez un autre être humain. Là, il s'inspire de Freud, bien sûr. Et vous êtes habitué à faire cette différenciation avec une certitude exempte d'hésitation. En psychanalyse, en clinique, d'une façon générale, l'immense majorité, voire la totalité des observations, pose de façon irréfléchie au départ SOS. Il s'agit d'un homme de 30 ans ou d'une femme de 25 ans. Le genre, dit Laplanche, serait-il vraiment aconflictuel au point d'être un impensé de départ? Masculino y femenino es la primera diferenciación que uno hace cuando se encuentra con otro ser humano. Aquí se inspira en Freud cuando dice esto, ¿cierto? Y uno está acostumbrado a hacer esta diferenciación con una certeza libre de vacilaciones. En el psicoanálisis y en la psicología clínica en general, la inmensa mayoría de las observaciones, entre comillas, si no todas, comienzan de una manera irreflexiva. Se trata de un hombre de 30 años o una mujer de 25, etc. ¿Sería realmente el género tan aconflictivo como para ser un impensado de entrada? Si les notions de jouissance, de réel, de différence de sexe deviennent des arguments d'autorité et produisent des interdits de pensée, c'est donc à une psychanalyse de repli, selon l'expression de Michel Thor, une psychanalyse qui parle une langue morte ou autoréférencée, on le disait tout à l'heure, ou autoréférencée que les sujets peuvent, auxquels les sujets peuvent avoir affaire. Si las nociones de goce, de real y de diferencia de sexos se convierten en argumentos de autoridad y crean prohibiciones para pensar, los sujetos pueden encontrarse ante un psicoanálisis de repliegue, según la expresión de Michel Tort, un psicoanálisis que habla una lengua muerta. Hoy conversábamos antes un psicoanálisis autorreferenciado. Les dites minorités sexuelles, les supposées ou dites minorités sexuelles, bouleversent l'ordre tranquille d'une psychanalyse amarrée à la théorie œdipienne et à l'ordre familial. Elles politisent ainsi la question sexuelle, la question des identités, en termes de droits et d'égalité, de domination et de discrimination, en termes de rôles sociaux et politiques. Le genre est devenu une notion qui introduit une dimension donc politique dans la façon de penser les rapports et donne une visibilité et une puissance d'agir aux minorités stigmatisées par les discours psychopathologisants et psychiatrisants. C'est pour ça que je dis les dites minorités sexuelles, bien sûr. Las llamadas, hace hincapié en esto de llamadas, minorías sexuales, están alterando el tranquilo orden de un psicoanálisis ligado a la teoría edípica y al orden familiar. Están politizando la cuestión sexual, la cuestión de las sexualidades, en términos de derechos e igualdad, dominación y discriminación, en términos de roles sociales y políticos. El género se ha convertido en un concepto que introduce una dimensión política en la forma de pensar las relaciones y da visibilidad y poder de acción a las minorías estigmatizadas por los discursos psicopatologizantes y psiquiatrizantes. Nous pouvons donc constater qu'une approche critique et épistémologique de la psychanalyse a pu montrer qu'à l'endroit où elle a été le plus souvent dogmatique et le moins plastique, notamment dans certaines positions visant les femmes et les homosexualités,
une pensée inventive, vivante et critique en dehors de son domaine a pu émerger. Et là, je voudrais juste rajouter une petite chose. Dans son livre sur le transmettre ou l'élève hérisson, Jean Allouche parle d'un nécessaire point d'extériorité pour approcher justement la question épistémologique de la psychanalyse. Ok, on y va de nouveau. Donc, je lis d'abord. Oui, absolument. Primero les leo y después les agrego lo que quiere agregar. Vemos pues que un enfoque crítico y epistemológico del psicoanálisis ha podido mostrar que allí donde más a menudo ha sido dogmático y menos plástico, en particular en ciertas posiciones relativas a las mujeres y a las homosexualidades, ha podido surgir un pensamiento inventivo, vivo y crítico fuera de su campo. Et donc, dans son livre sur, qui est paru et qui s'appelle Transmettre, ou l'élève hérisson. En su libro, Transmettre. Transmettre. Que es el transmitir. Sí, pero que juega sur la. Qui est un jeu de mots. Es un juego de palabras. Que, exactement. Un juego de palabras entre trans, que podría ser transmettre, maestro o amo. Sí. El alumno erizo de Jean Allouche, ese es el libro del que habla. Sí, y dans ce livre, il dit que pour à la fois lire Lacan et approcher quelque chose de la psychanalyse. En ese libro dice que a la vez para leer a Lacan y además acercarse a algo del psicoanálisis. Il s'agit d'avoir un point d'extériorité de la psychanalyse. Se trata de tener un punto de exterioridad del psicoanálisis. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est, d'un point de vue, je dirais, méthodologique ou épistémologique, me paraît très important. Desde un punto de vista epistemológico o metodológico, le parece esto muy importante. Donc, ces points d'extériorité, cette critique, est souvent venue de théoriciens ou d'intellectuels états-uniens comme Gail Rubin. Este punto de exterioridad o de crítica ha venido muchas veces de estadounidenses como Gail Rubin, como John Scott, como Judith Butler, como Teresa de Loretis, como Leo Bersani o encore David Halperin. John Scott, Judith Butler, Teresa de Loretis, Leo Bersani o incluso David Halperin. Entre autres, des États-Unis. Entre ellos, todos de Estados Unidos. Mais bien sûr, il y en a eu aussi partout ailleurs, il y en a ici. Dice que hay por todos lados y también sabe que aquí hay. Je dis Gonzalo Perkovic et d'autres, mais... Gonzalo Perkovic y otros. Et d'autres. En France, il y a eu... Hein? Fernando Barrios. Et qui est-ce encore? Qui encore ici? Qui travaille sur ces questions-là? Pregunta quién trabaja sobre estas cuestiones aquí en Uruguay. Sandra Filippini. Entonces, nous devons traduire en français ces textes. Dice que entonces deberíamos traducir al francés estos textos. Mais que font les éditions Eppel? ¿Qué están haciendo las ediciones Eppel? Voilà, et donc en France, bien sûr, il y a ces psychanalystes que certains connaissent, comme Jean Allouche, comme Michel Thor, ou comme Mayette Vilta, ou comme Monique David-Ménard, Tammy Ayouch, et d'autres encore. Nous avons ici aussi Caroline Monet, qui est venue spécialement de Paris, de Nantes, pardon, pour nous raconter aussi des histoires de ce genre. Tenemos en Francia a Jean Allouche, Mayette Vittar, Michel Thor, Monique David-Ménard, Tammy Ayouch, voilà. Otros. Et d'autres plus jeunes aujourd'hui. Donc il y a quand même un petit effet, mais qui reste encore assez, comment dire, sensible. Hein? Dice que hay un pequeño efecto que queda, sigue siendo aún sensible. Au Mexique, il y a Jaime aussi qui s'occupe de ça. En México, hein? Jaime Ruiz. Voilà. Donc, il y a d'autres, Buenos Aires, Brésil. Mais donc, ça reste encore un peu confidentiel, un petit peu. Dice que sigue siendo aún un poco confidencial. Donc là, il y a du monde, donc c'est parfait. Il faut que voilà, vous êtes l'avant-garde de tout ça. Dice que acá hay mucha gente, entonces son como la vanguardia de este movimiento.
Il s'agit donc de puiser dans les études de genre les critiques faites à une certaine psychanalyse afin de mettre en mouvement. Bon, ça, on l'a dit, bien sûr, hein, ce n'est peut-être pas la peine de recommencer ça. Je vais vous citer maintenant, je passe un peu, je vais vous citer maintenant une anthropologue américaine, états-unienne, qui s'appelle Gail Rubin, qui est une autrice très importante dans le champ à la fois de la psychanalyse et de l'anthropologie. Va citar ahora una antropóloga feminista, Gail Rubin, que es muy importante en el campo de la antropología. Et d'ailleurs, il y a quelques années, l'école lacanienne avait invité Gail Rubin lors de la sortie de son ouvrage, d'un recueil d'articles. Hace algunos años, l'école de psychanalyse avait invitado a Gail Rubin cuando salió su obra. Que l'école avait traduit par surveiller et jouir. Que la escuela había traducido por vigilar y gozar. Évidemment, en écho à l'œuvre de Foucault. Teniendo un écho con la obra de Foucault. Gail Rubin a publié une série d'articles qui mettent en perspective son projet de, comme elle le dit, créer une éthique sexuelle pluraliste. Gail Rubin a publicado una serie de artículos que ponen en perspectiva su proyecto de, la cito, crear una ética sexual pluralista. Et qui l'ont confirmé dans son statut de représentante la plus éminente de ce qu'elle a elle-même appelé, je cite, une théorie radicale de la politique de la sexualité. Que la confirma como la más eminente representante de lo que ella misma ha denominado una teoría radical de la política de la sexualidad. Et il est difficile, selon elle, de créer une éthique sexuelle pluraliste si on ne conçoit pas la variété sexuelle comme anodine. Es difícil crear una ética sexual pluralista si no se concibe la variedad sexual como algo anodino. Alors, la traduction en américain est intéressante parce que ça pourrait être bénin. La traducción del inglés es interesante porque podría ser benigno. Pero le choix qui a été fait de anodin, c'est pour éviter le caractère médical de bénin. Se eligió como elección anodino para evitar el sesgo médico de benigno. Et c'est une question que je pose aujourd'hui, peut-être on pourra en reparler. Es una pregunta que me hago hoy y que quizás podamos volver a hablar de ello. Est-ce qu'on pourrait parler d'une variété sexuelle neutre? ¿Podríamos hablar de una variedad sexual neutra? Anodine. Anodine. Donc son projet, en somme, est inspiré de celui de Foucault et de penser une éthique sexuelle sans sexualité. Su proyecto está inspirado en la obra de Foucault y pensar significa pensar una ética sin sexualidad. Penser le sexe sans son invention moderne, c'est-à-dire la ciencia sexualis. Pensar el sexo sin su invención moderna, es decir, la ciencia sexualis. Là, il y a une longue citation de Gail Rubin que je vous propose de voir ensemble. Mm-hmm. Non, ça, c'est pas celle-là. Es la que empieza con... SOS. Sí, SOS. Viene ahora una larga citación de Gail Rubin que vamos a ver juntos. Cito. La batalla entre el psicoanálisis y el movimiento de mujeres y el movimiento gay ha llegado a ser legendaria. Este enfrentamiento entre los revolucionarios sexuales y el establishment de los clínicos. Sí, perdón, juste de souligner dans le propos de Gail Rubin, de Gail Rubin, il s'agit de révolutionnaires sexuels. Quiere subrayar que en lo que propone Gail Rubin se trata de revolucionarios sexuales. Este enfrentamiento entre los revolucionarios sexuales y el establishment de los clínicos fue provocado en parte por la evolución del psicoanálisis en Estados Unidos sobre la tradición clínica, donde, perdón, la tradición clínica fetichizó la anatomía. Se concibe al niño como un ser que pasa de un estadio del organismo a otro hasta alcanzar su destino anatómico y la posición del misionero. Clásico. La práctica clínica ha considerado a menudo que su misión consiste en reparar a los individuos que de algún modo han llegado a desviarse de la vía de su propósito biológico, entre comillas.
Transformando la ley moral en ley científica. Ah, pardon, oui. Ça c'est très intéressant, parce que transformer la loi morale en loi scientifique, esto es muy interesante, porque transformar la ley moral en ley científica, ça c'est toute la question que Foucault va poser sur la façon dont la sexualité relève du domaine moral et s'habille, hein, se déguise en loi scientifique. Es toda la cuestión cuando Foucault va a plantear cómo la sexualidad se disfraza en ley moral. Oui, et prend des habits de la. Y toma los vestidos, digamos, los hábitos de la loi scientifique. De la ley científica. Okay. Transformando la ley moral en ley científica, la práctica clínica ha servido para imponer la norma sexual a los participantes indisciplinados. En este sentido, el psicoanálisis se ha convertido a menudo en algo más que una teoría de los mecanismos de reproducción de las normas sexuales. Ha sido uno de sus mecanismos. Como el objetivo de las revueltas feministas y gay era desmantelar el aparato que regulaba la sexualidad, se ha hecho necesaria una crítica del psicoanálisis. Pero el rechazo a Freud por parte del movimiento de las mujeres y del movimiento gay tiene raíces más profundas que se encuentran en el propio rechazo del psicoanálisis a sus propios discernimientos. Los efectos, a ver, creo que llega un poco más, sí. Los efectos que los sistemas sociales dominados por los hombres producen en las mujeres no están en ninguna otra parte mejor documentados que en la literatura clínica. Según la ortodoxia freudiana, la conquista de la feminidad normal, entre comillas, se les arrebató a las mujeres a un precio muy alto. La teoría de la adquisición de género podría haber sido el punto de partida de una crítica de los roles de sexo. En lugar de ello, las implicaciones radicales de la teoría se han reprimido radicalmente. Esta tendencia ya es evidente en las formulaciones originales de la teoría, pero se ha exacerbado con el tiempo hasta que el potencial de una teoría psicoanalítica crítica del género solo es visible en la sintomatología de su negación. Una compleja racionalización de los roles de sexo tal y como son. El objetivo de este texto no es realizar un psicoanálisis del inconsciente psicoanalítico, pero sí espero demostrar que existe. Sí. ¿Oui? Tu peux continuer. Oui, oui. Además, si el psicoanálisis ha de salvarse de sus propias motivaciones de represión, no es por el bien de la reputación de Freud. El psicoanálisis presenta un conjunto único de conceptos que permite comprender a los hombres, las mujeres y la sexualidad. Es una teoría de la sexualidad en la sociedad humana. Y lo que es más importante, el psicoanálisis proporciona una descripción de los mecanismos por los cuales los sexos están divididos y deformados, una descripción de cómo los niños bisexuales y andróginos son transformados en chicos y chicas. El psicoanálisis es una teoría feminista frustrada. Sí, eso es un énoncé assez connu de Gail Rubin. Hein. Es un enunciado bastante conocido de Gail Rubin. La psicanálisis est une théorie féministe manquée. El psicoanálisis es una teoría feminista frustrada. Et ce qui est très intéressant là, c'est que ce que dit Gail Rubin, c'est que c'est une. Lo que es muy interesante aquí es que lo que dice Gail Rubin. C'est que c'est une théorie féministe matérialiste manquée. Es una teoría materia femenina materialista frustrada. Parce que évidemment dans les questions des féminismes il y a notamment du côté de la psychanalyse en las cuestiones de feminismo hay desde el lado del psicoanálisis ce qu'on a appelé en tout cas en France un féminisme différencialiste. Lo que llamamos en Francia un feminismo diferencialista qui a continué de penser à la nécessité de considérer la différence des sexes. Que continuó pensando en la necesidad de diferenciar los sexos. Par exemple, avec des autrices comme Luce Irigaray. Por ejemplo, con autoras como Luz Irigaray. Comme Julia Kristeva en français. Julia Kristeva. Voilà. Comme Michel Montrelet, comme Antoinette Fouque. Que menciona Michel. Chez Michel Montrelet ou comme Antoinette Fouque. Antoinette Fouque qui a été une des fondatrices. Que fue una de las fundadoras. De psychanalyse et politique. De psicoanálisis y política.
du MLF, du Movimiento de Liberación de las Mujeres. Del Movimiento de Liberación de las Mujeres. Je l'ai bien dit, non? Voilà. Et qui, je ne sais pas si ceci explique cela, était en analyse avec Lacan. No sabe si una cosa explica la otra, pero estaba en análisis con Lacan. Bon, ça c'est une... voilà. Mais donc, quand Gail Rubin dit « la psychanalyse est une théorie féministe », il faudrait rajouter « matérialiste », c'est-à-dire... Quand Gail Rubin dice que el psicoanálisis es una teoría feminista, habría que agregar materialista. Materialista, ça veut dire qui prend en compte les conditions d'oppression. O sea, que toma en cuenta las condiciones de opresión, des conditions de vie des femmes, de las condiciones de vida de las mujeres. Voilà. Et donc, elle continue en disant une révolution féministe. Est-ce la siguiente? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Continúa la cita de Gail Rubin diciendo: una revolución feminista completa liberaría algo más que a las mujeres, liberaría formas de expresión sexual y liberaría la personalidad humana de la camisa de fuerza del género. Puesto que el psicoanálisis es una teoría de género, descartarlo sería suicida para un movimiento político dedicado a erradicar la jerarquía de género o el género mismo. C'est pas rien de dire ça pour une anthropologue radicale lesbienne qui est plutôt marxiste et matérialiste de dire la psychanalyse est une théorie du genre. Dice que le parece no poca cosa para una antropóloga lesbiana radical materialista decir esto de que de que es que la psicanálisis el psicoanálisis es una teoría el psicoanálisis es una teoría de género. Donc ça, c'est une position d'articulation d'un point de vue d'extériorité entre. C'est une position d'articulation d'un point de vue d'extériorité. D'articulation entre les études de genre et la psychanalyse. D'articulation entre les études de genre et le psychoanalyse. Alors, qu'est-ce que reprochent les théoriciens queer à une certaine psychanalyse pseudo-lacanienne, je vais dire. ¿Qué reprochan los teóricos queer a un cierto psicoanálisis freudo-lacaniano? Premièrement, une naturalisation et une biologisation de la différence homme-femme. Primeramente, una naturalización y una biologización de la diferencia hombre-mujer. Voire parfois une essentialisation ou une ontologie des catégories, de ces catégories-là. Una esencialización o una ontología de estas categorías. Et le renvoi à la question de la jouissance ou au signifiant homme-femme ne semble pas suffire à dissiper les malentendus. La referencia a la cuestión del goce o a los significantes hombre y mujer no parece suficiente para disipar los malentendidos. Dans les débats, je vais rajouter ça, dans les débats qui ont agité en France le moment du mariage dit pour tous et l'adoption. En los debates que agitaron Francia en el momento del mariage pour tous, que es casamiento para todos, matrimonio para todos. Y la adopción par les couples homoparentaux. La adopción por parte de parejas homoparentales. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de psychanalystes. En ese momento, hubo muchos psicoanalistas en Francia. Qui ont tout d'un coup considéré qu'il y avait la nécessité d'un père et d'une mère. Que consideraron de golpe que era necesario un padre y una madre. Comme si ça avait arrangé quelque chose qu'il y ait un père et une mère dans la famille. Como si esto fuera arreglar en la familia que hubiese un padre o una madre voilà. Y una madre. Donc et ça c'est intéressant parce que à chaque fois que l'on parle, enfin à chaque fois qu'on a parlé en France, en tout cas, je sais pas comment c'est ici, ça m'intéresse de savoir, mais cada vez que se habló en Francia de esto, no sabe cómo es aquí, pero le interesa saberlo. Qu'on a parlé de la famille, de l'enfant, de la filiation. Cada vez que se habló de la familia, del niño o de la filiación. Il y a eu un retour de moralisation du côté. Enfin, en tout cas, qu'on a rencontré de façon très forte chez les psychanalystes. Chez certains psychanalystes. Un retorno de moral o de moralización que se encontró muy fuerte de parte de algunos psicoanalistas. Et bien sûr, la question transgenre
anime aujourd'hui encore beaucoup les débats entre psychanalystes, quoi. Y por supuesto que la cuestión transgénero hoy anima también fuertemente los debates entre los psicoanalistas en Francia. Et donc, comme l'indique Jean Alouche, c'est une citation de Jean Alouche, comme le señala Jean Alouche, pour critiquer la question du psychanalyste expert en santé mentale, para criticar la cuestión del psicoanalista experto en salud mental, leo, cito Jean Alouche. Es en calidad de tales como son consultados por los tribunales, los medios de comunicación, los organismos educativos, los legisladores, etc. Y algunos psicoanalistas responden a esta demanda expresando su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, sobre la posibilidad de que los homosexuales críen hijos, sobre los vientres de alquiler, como si pudieran pronunciarse de forma general sobre estas cuestiones sociales. Pero también como si supieran cuál es la norma, como si esta norma fuera unánimemente aceptada por la profesión, entre comillas. Este deslizamiento se debe al dominio de lo médico sobre lo analítico, dominio contra el que Freud luchó en gran medida en vano. Voilà, et bien sûr, cette emprise du médical sur l'analytique, c'est tout l'un des enjeux, évidemment, dans ce qu'on évoque des débats dits contemporains sur toutes ces questions-là. Esta ventaja de lo médico sobre lo analítico es de lo que estamos hablando. Sí. Sur toutes les questions de filiación, de famille. De lo que se trata cuando hablamos de todas las cuestiones de filiación, de familia que mencionábamos hoy. À la fin de son parcours théorique en 1938, Freud constate que la psychanalyse ne peut rien dire de la différence des sexes et de la bisexualité psychologique. Al final de su recorrido teórico en 1938, Freud señaló que el psicoanálisis no podía decir nada sobre la diferencia de los sexos y de la bisexualidad psicológica. Il écrit dans l'abrégé et dans l'abrégé de psychanalyse, son dernier ouvrage, il écrit que la mobilité de la libido, c'est-à-dire de la facilité avec laquelle elle passe d'un objet à l'autre, ou encore le fait que le corps est entier est érogène. Señaló, y lo cita del resumen de su última obra, cito, la movilidad de la libido, es decir, la facilidad con que pasa de un objeto a otro, o también el hecho de que todo el cuerpo es erógeno. Donc, partant de son dernier ouvrage, on pourrait dire que la différence des sexes et la bisexualité, ça ne marche pas non plus dans le corpus. Voilà, le corps, le sexe, la sexualité, c'est en excès, c'est indiscipliné. Ça ne tient pas dans les bicatégories. Entonces, partiendo de su última obra, podemos decir que la diferencia de los sexos y la bisexualidad tampoco funcionan. El cuerpo, el sexo, la sexualidad, es todo muy indisciplinado, no se sostiene en bicategorías. Et c'est d'ailleurs le propos de la biologiste féministe Anne Fausto-Sterling dans un article qui date de 1993 et qui s'appelle « Les cinq sexes ». Et qui avait d'ailleurs fait un scandale dans lequel elle évoquait un continuum des sexes et qu'elle reprend dans son article de 2000, les cinq sexes revisités. Es lo que propone la bióloga feminista Anne Fausto-Sterling, cuyo artículo en 1993, Los cinco sexos, hizo escándalo. En él evocaba un continuum de los sexos, que vuelve a retomar en el artículo de 2000, Los cinco sexos revisitados, en el cual escribe. Qu'il est plus juste de conceptualiser le sexe et le genre comme différents points dans un espace multidimensionnel. Es más justo, cito, conceptualizar el sexo y el género como diferentes puntos en un espacio multidimensional. Et là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il s'agit de penser, il s'agit de ne plus penser le continuum, parce que penser le continuum, c'est toujours penser entre deux pôles. Y lo que aquí es interesante es que se trata justamente de no pensar más el continuum. Porque eso significa que pensar entre dos polos. Et d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, quand on parle de spectre, le spectre de... Voilà, il y a plein de spectres tout le temps maintenant. Y me parece que hoy, cuando se habla de espectro, ya que hay muchos espectros hoy en día, on reste dans une logique binaire. Seguimos estando en una lógica binaria.
Et ce que Fausto Sterling invite à penser, c'est... Lo que Fausto Sterling invita a pensar es... C'est qu'il y a d'autres catégories qui sont plus diffuses et qui ne sont pas nécessairement exclusives ou bipolaires, hein, comme ça, enfin, en tout cas entre deux pôles, voire qu'il n'y a peut-être même plus tellement la question des catégories. J'y reviendrai. Invita a pensar que hay otras categorías que son más difusas y que no son exclusivas. Par exemple, les polarités dedans, dehors, surface, profondeur, nature, artificielle, extérieur, intérieur, public, privé, etc. Por ejemplo, las polaridades adentro, afuera, superficie, profundidad, natural, artificial, exterior, interior, público, privado, etc. Dans ce type d'épistémologie, n'ont plus tellement d'intérêt, en fait. En este tipo de epistemología ya no tienen tanto interés. Alors, bien sûr, chez Lacan, on a déjà vu l'idée, hein, de Moebius, où le dedans et le dehors se retrouvent, etc. Mais on continue de penser qu'il y a encore un dedans et un dehors. Por supuesto, ya vimos en Lacan, por ejemplo, en la banda de Moebius, el adentro y el afuera y la continuidad, pero sin embargo, seguimos pensando en estas categorías, bicategorías. Donc, ce que le genre là peut inviter à penser, c'est est-ce qu'on peut penser en dehors des catégories? Lo que el género nos invita a pensar es, ¿podemos pensar por fuera de las categorías? Ça, c'est une des premières critiques des épistémologues du genre. La deuxième critique, esa era una de las primeras críticas de los epistemólogos de género, y ahora la segunda. La seconde, si. L'autre critique, c'est l'anhistoricisation qui entraîne une forme d'apolitisme de la psychanalyse et de son écoute. La otra crítica importante es la historización que conduce a una forma de apoliticismo del psicoanálisis y a una despolitización de su escucha. Et l'écrivaine qui a le plus été critique par rapport à ça et qui était dans un conflit justement avec Antoinette Fouque, c'est Monique Wittig. La escritora que se ocupó francesa más de este tema y que estaba en un conflicto con Antoinette Fouque. Et justement, Monique Wittig est une représentante de ce qu'on appellerait aujourd'hui le féminisme matérialiste. Monique Wittig es una representante de lo que hoy llamaríamos el feminismo materialista. Et elle écrit dans la pensée straight. Y escribe en el pensamiento straight. Ah, el pensamiento heterosexual. C'est comme ça que c'est traduit, oui, en espagnol. C'est comme ça que c'est traduit en espagnol. Ah, c'est intéressant. Parce que straight, en français, la pensée straight n'a pas été traduit par hétérosexuel. Claro, hace aquí una acotación, el pensamiento straight, que es una palabra en inglés, la obra de Monique Wittig fue traducida al español como el pensamiento heterosexual, o sea que se optó por esa traducción en vez de straight, heterosexual. C'est une question. Es una cuestión, dice, para pensar. Parce que straight. Non, parce que straight, c'est bien sûr, c'est tout le système hétéronormatif, mais c'est tout un système. Parce que straight dice que refiere a todo un sistema heteronormativo. Alors, straight, ça veut dire droit, étroit, derecho. Derecho, estrecho. Straight, hein? Recto. Recto. Et là, bon, bien sûr, elle se réfère au système. Au système. Dice que si bien se refiere al sistema. Si. Mais pour Monique Wittig, ce qui est intéressant, c'est que la question de l'hétérosexualité n'est pas réductible à la question de la sexualité. Lo que es interesante para Monique Wittig es que la cuestión de la heterosexualidad no quede reducida a la cuestión sexual. Ça relève aussi d'un système de signifiant. Relève también de un sistema de significantes. De langage. De lenguaje, de économique et politique, évidemment. Económico y político, por supuesto. Donc je ne sais pas comment on l'entend quand on dit la pensée hétérosexuelle, si c'est uniquement réduit à la question du sexe, de la sexualité. Dice que se pregunta que cómo es que escuchamos este título del pensamiento heterosexual si está únicamente reducida a una cuestión que tiene que ver con la sexualidad. Et
Sí, claro, sí. Y por eso me parece un bastante reductivo Le parece bastante reducido como título. par rapport à la pensée théorique de Monique Wittig, En relación al pensamiento teórico de Monique Wittig. qui est vraiment dans une critique de la catégorie politique Que realmente critica la categoría política du système hétéronormatif. del sistema heteronormativo. Y compris, je le répète, hein, y compris dans l'usage. Hein? Si? ¿Alguien quería? Si, ça se, hétéronormatif, ça se rapprocherait. Dice que Pero, se acercaría. ¿por qué no straight? Claro, ¿por qué no haber guardado el término El original? Ya que pensamiento straight, parce que Monique Wittig n'a pas voulu le traduire. ella no quiso traducirlo, Monique Hein? Wittig. Sí, lo que sé es que fue en España. En España traduisent en general todo. Ils ont cette tendance. Ah, entonces. Ah, ok, je comprends. Mais c'est alors bon, mais c'est la politique des langues. Oui, mais c'est aussi un choix politique. Dice que es la política de las lenguas, pero también es una elección política. Parce que c'est la politique des langues, mais c'est aussi une langue politique, quoi. Dice es la política de las lenguas, pero a su vez es una lengua política. Donc, de toute façon, la question de la traduction est une question de la politique des langues et une langue La cuestión de politique. la traducción es una cuestión de la política de las lenguas. Mais c'est intéressant de par rapport à cette question de encore voilà qu'est-ce que c'est que l'approche féministe matérialiste de Monique Wittig, c'est de dire qu'il y a que la catégorie femme est une catégorie politique. Lo que dice Monique Wittig es que la categoría mujer es una categoría política Et non pas une catégorie sexuelle. y no una categoría sexual. Et qu'elle s'inscrit dans la pensée hétérosexuelle, précisément. Y que se inscribe en el pensamiento heterosexual. Francesa que pone el pensamiento straight. Si, pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle est partie de France et qu'elle a écrit ce texte aux États-Unis. Hace esto porque ella se fue de Francia y escribe este texto en Estados Unidos. Voilà. Donc, elle a écrit ce texte d'abord en anglais, enfin d'abord en états-unien. Lo escribe primero en inglés americano. Et después, elle l'a traduit en français, mais elle a gardé le caractère Luego lo traduce al francés, pero le guardó ese carácter straight. straight, yes. Bon, c'est intéressant comme idée. Ça, hétéronormatif, ça se rapprocherait de ça. Dice que heteronormativo podría acercarse al concepto. Sí. Entonces, ¿Moneda? sí, nuestra, ici, nuestro, voilà, notre, ça c'est la critique qu'elle fait, notre refus de l'interprétation totalisante, nuestro, aquí es que je suis, nuestro rechazo de la interpretación Attends. C'est de l'autre. fait dire que nous négligeons la dimension, non, ça c'est juste, aquí. Leo entonces la cita de Monique Wittig. Nuestro rechazo de la interpretación totalizadora del psicoanálisis hacen que nos acusen de descuidar la dimensión simbólica. Estos discursos hablan de nosotros, las mujeres y los homosexuales, y pretenden decir la verdad sobre nosotros en un ámbito apolítico, como si nada de lo que significa pudiera escapar a lo político, y como si pudiera haber, en lo que a nosotros se refiere, signos políticamente insignificantes. La troisième critique qui est faite à une certaine psychanalyse concerne l'universalisme interprétatif et l'invariant des concepts. La tercera crítica que es hecha a un cierto psicoanálisis tiene que ver con el universalismo interpretativo y la invariabilidad de los Et conceptos. c'est encore Monique Wittig qui, dans la pensée straight, va écrire, et ça c'est la siguiente, por favor. Y es, seguimos con Wittig, que continúa escribiendo en el pensamiento straight. Vous voyez, elle ne le traduit pas, elle. Hein? Ella no lo traduce. Entonces, pardon, excuse-moi. Dans ce passage, ça n'est pas traduit. En este pasaje no está traducido. Uniquement le titre du livre.
Claro, sí, bien sûr. Solo está traducido el título, o sea, lo que se cambió fue el título, no, el concepto en sí mismo permanece en la traducción, el concepto straight. Ça me fait penser au livre de Robert Stoller, qui est paru en 64 aux États-Unis et qui s'appelait Sex and Gender. Me hace recordar el libro de Robert Stoller, que fue publicado en 1964 y se llamaba Sexo y, Sex and Gender. Sex and Gender, mais en français, la traduction du titre était... En français, la traducción del título era... Était élément d'une, sur une, l'identité sexuelle à partir de, du transsexualisme. La identidad sexual a partir del transexualismo. C'était... C'était... C'était créatif. Era creativo eso. Dolor y pasión. Le de Robert Stoller, Sex and Gender. Non, por favor. Por favor. Non, mais... non, c'est pas le même, ok. Mais bon, c'est intéressant, quoi. Hein. C'est... Bref. Donc, une autre critique. Voilà, tu peux le lire là. Je sais. Oui, tu peux, oui. Leo la cita. El pensamiento straight pretende una interpretación totalizadora de la historia, de la realidad social, de la cultura y de las sociedades, como del lenguaje y de todos los fenómenos subjetivos. Quiero subrayar aquí el carácter opresivo que reviste el pensamiento straight con su tendencia a universalizar de inmediato su producción de conceptos, estableciendo leyes generales rectoras de todas las sociedades, todas las épocas, todos los individuos. De ahí que hable del intercambio de las mujeres, de la diferencia de los sexos, del orden simbólico, del inconsciente, del deseo, del goce, de la cultura, de la historia. Voilà, universalisme interprétatif. La question de l'universel est une grande question, évidemment, y compris pour le, dans le champ de la psychanalyse. Il dit que la question de l'universal est une grande question, incluso en el campo del psicoanálisis. Et la dernière, une des dernières critiques qui est faite, y una de las últimas críticas que fue hecha, c'est l'obsession de l'étiologie psychosexuelle et pathologisante. Es la obsesión por la etiología psicosexual y patologizante. Il y a, comme le dit Gail Rubin, un excès de signification de la sexualité. Hay, como dice Gail Rubin, un exceso de significación en la sexualidad. Pourtant, Freud puis Lacan, malgré ce que l'on a pu en dire, n'ont eu de cesse de montrer que dans l'expérience de la sexualité humaine, il y a des différences et des genres multiples, des conduites et des pratiques sexuelles diversifiées, bref, des différenciations complexes et subtiles dans une diversité sexuelle soumise, selon les temps et les lieux, à une variété de normes, elles-mêmes plus ou moins contraignantes et plus ou moins nécessaires. Sin embargo, Freud y luego Lacan, a pesar de lo que podamos decir de ellos, nunca dejaron de mostrar que en la experiencia de la sexualidad humana hay diferencias y géneros múltiples, conductas y prácticas sexuales diversificadas. En resumen, diferenciaciones complejas y sutiles dentro de una diversidad sexual que está sujeta, según el tiempo y el lugar, a una variedad de normas que son a su vez más o menos restrictivas y más o menos necesarias. Freud disait que les normes sont arbitraires et conventionnelles et qu'elles relèvent d'une fiction et donc de l'imaginaire social. Et Lacan reprend cette idée dans une interview en 1973, qui a été publiée en 1974. Et voilà la formule que Lacan utilise pour résumer l'œuvre de Freud, pour le dire comme ça. Lacan dit « Il y a des normes sociales » faute de toute norme sexuelle, voilà ce que dit Freud. Freud decía que las normas son arbitrarias y convencionales, que son una ficción y que por tanto forman parte del imaginario social. Lacan retoma esta idea en una entrevista en 1973 y dice, cito, hay normas sociales a falta de toda norma sexual. Eso es lo que dice Freud. Y Lacan avait déjà mis en garde, si je puis dire, les analystes dès les années 60 au sujet d'Œdipe, dont il disait qu'il ne saurait tenir indéfiniment l'affiche dans les formes de société où se perd de plus en plus le sens de la tragédie. Juste avant que tu cites, dans le séminaire, je rappellerai comment Lacan explique pourquoi
Freud a choisi le complexe d'Œdipe plutôt que le complexe de l'hippopotame. Después, en el seminario que ella dará mañana y pasado, va explicar por qué Lacan prefirió el complejo. Freud a choisi le complexe eligió el complejo de Edipo en vez del complejo del hippopotamo. C'est quand même pas rien, parce qu'imaginez que la psychanalyse ait affaire aujourd'hui au complexe de l'hippopotame. Dice que esto es importante porque imagínense hoy que el psicoanálisis tenga que vérselas con el complejo del hippopótamo. C'est-à-dire que ça n'aurait pas eu la psychanalyse n'aurait sans doute pas eu le même destin, quoi. Dice que el psicoanálisis no habría tenido sin duda el mismo destino. Bon, bref, en tout cas, Lacan, à partir des années 60, dès les années 60, lâche l'affaire avec Oedipe. Déjà dans les années 60, il lâche l'affaire. Il lâche. Déjà en los años 60, Lacan dejaba de lado la idea del Edipo. Bon, donc il cite, tu peux citer Lacan, voilà, la proposition sur la psychanalyse. Et dans la proposition sur la psychanalyse de l'école, Lacan parlait même de l'idéologie oedipienne et de l'attachement spécifié de l'analyse aux coordonnées de la famille liées à un mode d'interrogation de la sexualité qui risque fort de manquer une conversion sexuelle qui s'opère sous nos yeux. Bien. Voy a citarles otra cita de Lacan. De esto que hablábamos, que dice quien advirtió por primera vez a los analistas en los años 60 sobre Edipo, diciendo que no podría conservar indefinidamente el estrellato en unas formas de sociedad donde se pierde cada vez más el sentido de la tragedia. Y al año siguiente, en 1967, en la propuesta sobre el psicoanalista de la escuela, Lacan habla incluso de ideología edípica y de, cito, el apego especificado del análisis a las coordenadas de la familia, enlazado a un modo de interrogación de la sexualidad, que corre sin duda el riesgo de perder una conversión sexual que se opera ante nuestros ojos. On va passer un petit peu là. Ouais. Et on va, on est là, on est là déjà. Il y a donc, on va passer ça. Oui. Ok. Bon. On va, il y a un irréductible, tu vois, ça, je l'ai déjà dit. Ok. Oui, juste peut-être vous dire que là encore, pour prolonger cette idée chez Freud, Lacan, dans les quatre concepts fondamentaux, disait dans le psychisme, il n'y a rien par quoi le sujet puisse se situer comme être de mâle ni être de femelle. En el psiquismo no hay nada por lo que el sujeto pueda situarse como ser macho o ser hembra. Il y a donc un irréductible, tu vois, oui, ouais. Ouais. Il y a donc un irréductible du sujet de la psychanalyse, c'est le sujet qui n'entre dans aucun discours normatif. El sujeto del psicoanálisis es por tanto irreductible. Es el sujeto que no encaja en ningún discurso normativo. Le sujet auquel on peut avoir affaire. Peut avoir affaire dans la pratique, se confronte à une réalité qui l'excède, à une réalité qui excède l'ordre du normatif, du biologique. El sujeto de la práctica analítica, el que podemos encontrar, se enfrenta a una realidad que le sobrepasa, una realidad que va más allá de lo normativo y lo biológico. Et là, je passe un petit peu, et cette démarche trouve un point de rencontre avec ce que Jean Allouche, c'est une autre citation de Jean Allouche. Hay otra citación ahora de Jean Allouche que tiene que ver con esto. Si. Qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions. Que nos pone a pensar una serie de cuestiones, preguntas. Si. Voilà, c'est la prochaine. A decir verdad. Ahí está. Si. Cito. A decir verdad, la definición estricta del sujeto por el significante basta para exigir que el psicoanalista, en su fraternidad con el analizante, lo reciba, cuidando de dejar de lado todo tipo de categorizaciones, nosográfica, sexista, racial, comunitaria. ¿Sé algo acaso de quien entra en mi consultorio para pedirme un psicoanálisis? ¿Voy a juzgar como fenomenólogo por su aspecto, que es hombre, mujer, homosexual, religioso, pobre, inteligente, negro, joven o cualquier otra cosa? No, justamente. Un psicoanálisis, por el lado del psicoanálisis, solo se inicia absteniéndose de tales categorizaciones. Si Freud, en un gesto inaugural como la duda metódica de Descartes, no hubiera sabido ni podido dejar su saber a un lado,
dando un paso al costado con respecto a la pseudomaestría que ejercía Charcot, el movimiento freudiano simplemente no se habría producido nunca. Alors, je peux parler. Oui. Là, ce que je trouve intéressant dans cette citation, c'est qu'elle pourrait sembler entrer en contradiction. Lo que le parece interesante en esta citación es que podría parecer que entra en contradicción avec ce que j'ai évoqué de Gail Rubin sur la psychanalyse est une théorie du genre et une théorie féministe matérialiste. Sobre esto de que la psicoanálisis es una teoría del género y una teoría feminista materialista. Parce que là, la question de précisément, ce que j'essaye de dire, c'est qu'effectivement, il faut s'abstenir ou s'abstraire de tout type de catégorisation. Lo que trata de decir es que justamente hay que abstraerse de cualquier tipo de categorización. Mais il y a des façons de catégoriser qui sont des oppressions. Pero hay formas de categorizar que son opresiones. Et si on est plutôt dans une perspective de Gail Rubin, on se dit, mais alors à ce moment-là, quid de la question matérialiste de la psychanalyse? Si estamos entonces desde la perspectiva de Gail Rubin, nos preguntamos acerca del asunto de la cuestión materialista. Parce que il y a parfois des personnes homosexuelles, pauvres, noires, qui sont opprimées par un certain système. Porque efectivamente hay personas homosexuales, ah, pobres, negras, que son oprimidas o están oprimidas por un sistema. Et là, il y a un point de tension. Y ahí hay un punto de tensión. Entre la nécessité d'être hors catégorie. Entre la necesidad de estar fuera de la categoría. Et en même temps d'entendre quelque chose d'une certaine psychanalyse matérialiste. Y al mismo tiempo escuchar algo que tiene que ver con un cierto psicoanálisis materialista. C'est-à-dire ce que dit Gail Rubin sur la question de la théorie du genre comme théorie qui permet de comprendre les rapports sociaux de pouvoir. Quoi. Lo que dice Gail Rubin en relación a las teorías del género que pueden permitir... Oui, qui prend en compte que toman en cuenta las opresiones. Las relaciones sociales de poder. Voilà. Donc là, il y a un point de tension que je trouve intéressant. Ahí hay un punto de tensión que yo encuentro interesante. Pour poursuivre cette réflexion, je me réfère à ce que dit Halperin concernant l'identité. Y para continuar esta reflexión se refiere a Halperin cuando habla de la identidad. Et notamment de l'identité de gay. Y notamente de la identidad gay. Quand Halperin dit que l'identité, elle est politiquement catastrophique et politiquement nécessaire. Cuando Halperin dice que la identidad es políticamente catastrófica y a su vez políticamente necesaria. Et j'ai presque envie de dire que tout type de catégorie est politiquement catastrophique et politiquement nécessaire. Y dice que tiene ganas de decir que todo tipo de categoría es políticamente catastrófica y a su vez políticamente necesaria. C'est-à-dire politiquement catastrophique au sens de Foucault parce qu'elle fige permet le contrôle sur cette catégorie. Políticamente catastrófica, dice en el sentido foucaultiano, porque en alguna forma, digamos que la fija esta categoría, permitiendo un control. Sí, et politiquement nécessaire, parce qu'elle met en perspective. Y políticamente necesaria, porque pone en perspectiva. Les éléments d'oppression de cette catégorie. Los elementos de opresión de esta categoría. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui est un paradoxe, une tension que je trouve intéressant à penser. Quand on exerce la psychanalyse, quoi. Dice que ahí encontramos una tensión, una paradoja que es interesante de pensar cuando ejercemos el psicoanálisis. Depuis que des études très importantes sur les études postcoloniales, les études décoloniales s'emparent de ça, se saisissent de ça aujourd'hui. Dice que sobre todo pensando en los estudios postcoloniales que toman estos conceptos hoy en día. Et donc, toute la pratique analytique insiste sur l'idée que toute construction identitaire peut devenir un problème pour le sujet,
Toda práctica analítica insiste en este concepto que cualquier construcción identitaria puede ser un problema para el sujeto. L'homme jeune, blanc, actif, cisgenre, hétérosexuel, ou la femme blanche, hétérosexuelle, passive, maternante, c'est-à-dire les supposés représentants d'une certaine santé sont déconstruits par et sur le divan, ça on peut le supposer en tout cas. El hombre joven, blanco, activo, cisgénero y heterosexual, y la mujer blanca, heterosexual, pasiva y madre, es decir, los supuestos representantes de la salud universal, son reconstruidos por y en el diván. Et ça revient à ce que Lacan disait à l'occasion de son séminaire sur la théorie du moi, je le cite, le moi est la somme des identifications du sujet avec tout ce que cela peut comporter de radicalement contingent. Si vous me permettez de l'imager, le moi est comme la somme, est comme, pardon, la superposition des différents manteaux empruntés à ce que j'appellerais le bric-à-brac de son magasin d'accessoires. Como dijo Lacan en su seminario sobre la teoría del yo, cito, el yo es la suma de las identificaciones del sujeto con todo lo que esto puede implicar de radicalmente contingente. Si me permiten ponerlo en imágenes, el yo, moi, es algo así como la superposición de los diferentes abrigos tomados de lo que llamaré el bric-à-brac, o sea, podríamos decir el revoltijo en español, de su guardarropa. Sí. Donc, contingence et bricolage. Entonces, contingencia y bricolaje. Alors, pour illustrer cette contingence et ce bricolage, para ilustrar esta contingencia y este bricolaje, je voudrais, on va passer un peu comme ça, je voudrais vous donner la liste. On avait fait la... Quisiera darles, para ilustrar este bricolaje, la lista. La liste des catégories de genre auxquelles nous avons affaire sur Facebook. De las categorías de género que encontramos en Facebook. Et ce qui est intéressant là en termes de contingence, c'est que l'ordre n'est réglé que sur l'arbitraire alphabétique. Lo que es interesante en términos de contingencia es que el orden está regulado únicamente por la arbitrariedad alfabética. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous identifier dans un genre, il y en a plus de 80. Si ustedes quieren identificarse con un género, hay más de 80. Voilà, donc là, vous avez une série. Aquí tienen una serie que la voy a leer porque no sé si en el fondo lo ven. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous pouvez même en choisir plusieurs. Pueden elegir el que quieran o pueden elegir varios. A género, andrógino, otro, ninguno. Se niega a ajustarse a los estereotipos de género. Género no conforme, género atípico, género variante, género fluido. No ajustado al género, pan género, en cuestionamiento de su género. Género en cuestionamiento, género neutro, queer, alosexual, altersexual, no binario, biespiritual, bigénero, cis, cisgénero, chica cis, chica cisgénero, chica trans prima, chica transgénero, mujer, mujer cis, mujer cisgénero, mujer trans prima, mujer transgénero, mujer transexual, FTM, chico trans prima, chico cisgénero, chico transgénero, chico transexual, hombre, hombre cis, hombre cisgénero, hombre trans prima, hombre transgénero, hombre transexual, hombre a mujer, mujer a hombre, intersexo, intergénero, intersexual, intersexuado, intersexuada, MTF, hombre a mujer, mujer a hombre, neutrales, two-spirit, persona trans prima. Persona transgénero, persona transgénero, transexual, travesti, travestida, trans prima. Etc., etc., etc. C'est-à-dire que, en fait, ça explose les catégories. Entonces, ça défait les catégories. Esto deshace, explota las categorías. Et défaire les catégories à ce point-là, y deshacer las categorías a este punto, c'est produire du divers, es producir lo diverso, anodin, anodino, neutre, neutre. C'est-à-dire, en fait, plus il y en a, moins ça veut dire quelque chose. Más hay, menos significa algo. Enfin, c'est pas que ça veut pas dire, c'est pas que ça, c'est au-delà de la binarité du genre, quoi. Quiere decir que está más allá de la binariedad del género. Et donc ça, c'est une liste, c'est l'effet de série plutôt que de catégorie.
Dice que esto es una lista, es el efecto de serie más que de categoría. Bon, et on verra, enfin, je développerai ça un peu plus tard avec Foucault, que c'est quand même Foucault qui amène aussi à penser ça, mais ça, c'est pas nécessaire de... Voilà. Okay. Et là, une autre liste, une autre liste que je voudrais vous soumettre. Hay otra lista que le gustaría compartir. Puisque vous avez compris que l'articulation entre genre et psychanalyse est de défaire les catégories. Ya que entendieron que l'articulación entre género y psicoanálisis es deshacer las categorías. C'est la liste que fait Eve Kosofsky-Sedgwick, qui est une liste que fait Eve Kosofsky-Sedgwick, qui est une des théoriciennes queer très importantes aussi, bien sûr. Una teórica queer muy importante. Et qui définit la théorie queer de cette façon-là. Que define la teoría queer de esta manera. Los vacíos, entretejidos, disonancias, resonancias, fracasos o excesos de significado cuando los elementos constitutivos del género y la sexualidad de alguien no se limitan o no pueden limitarse a significados monolíticos. Estas son las aventuras y experiencias políticas, lingüísticas, epistemológicas y figurativas que viven aquellos de entre nosotros a los que les gusta definirse, entre otras muchas posibilidades, como... Entre otras muchas posibilidades, entre otras. Entre otras, sí. Como lesbianas, femeninas, agresivas, maricas místicas, fantasiosos, drag queen y drag kings, clones, queers, mujeres en smoking, mujeres feministas u hombres feministas, masturbadores, locas, divas, snap, viriles sometidos, mitómanos, transexuales, wannabe, tías, camioneras, hombres que se definen como lesbianos, lesbianas que se acuestan con hombres, y todos aquellos que son capaces de amarlos, de aprender de ellos e identificarse con ellos. Et la dernière phrase me paraît importante. La última frase le parece importante. Comment Eve Kosofsky-Sedgwick définit la théorie queer? Elle la définit avec le fait que et tous ceux qui sont capables de les aimer, d'apprendre d'eux et de s'identifier à eux. Comment Eve Kosofsky-Sedgwick define la théorie queer? Esta última frase que le parece importante. Todos aquellos que son capaces de amarlos, de aprender de ellos e identificarse con ellos. Donc entrer dans ce jeu de signifiant, entendre. Entrar en este juego de significantes. Entendre les échos de l'amour et les mouvements de l'éros du divin Platon, comme disait Freud. Escuchar los ecos del amor y los movimientos del eros divino de Platón. Ce serait sans doute travailler sans relâche à la déconstruction de ses propres préjugés, comme le disait Lacan. Es hoy, para quienes practican un psicoanálisis comprometido con la transferencia, trabajar sin descanso en la deconstrucción de sus propios prejuicios. C'est-à-dire, quand Lacan dit cette phrase, le contre-transfert n'est rien d'autre que la fonction de l'ego de l'analyste, ce que j'ai appelé la somme des préjugés de l'analyste. Cuando Lacan dice esta frase, la contratransferencia no es otra cosa que la función del yo del analista. Lo que he llamado la suma de los prejuicios del analista, escribía Lacan. Et donc, c'est une façon de revenir à la, d'une certaine façon, à la première leçon freudienne, c'est-à-dire à la leçon de l'éros du divin Platon, à l'érotologie, d'une certaine façon. Es una forma de volver a la primera lección de Freud, al eros del divino Platón, a la erotología. Et avant de commencer le, on va terminer, comme ça on va commencer la discussion. Vamos a ir terminando, así ahora comenzamos la discusión. Dans les noms du père, dans les noms du père, Lacan dit ceci, l'inconscient, c'est la dernière phrase en fait, l'inconscient ne se conçoit d'abord que de ceci, que c'est un savoir, comme savoir du sexuel, être amoureux de ce savoir, telle est la leçon de la psychanalyse, et qui n'est pas amoureux de son inconscient, R. En le nom du père, le nom du père, ya saben que está ese juego de palabras, Lacan dice, el inconsciente no se concibe sino es primeramente a partir de lo siguiente, que es un saber. Como saber de lo sexual, estar enamorado de ese saber, tal es la lección del psicoanálisis, y quien no está enamorado de su inconsciente, erra. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias.
Un grand merci à Marie-Laurence, s'il vous plaît, qui a traduit formidable. Bueno, vamos a abrir el espacio de intercambio. Antes de pasar, quiero decir brevemente tres cosas. La primera es que este viernes y este sábado, Lori Lofer y Sandra Brunier van a ofrecer un seminario que se llama Safo, Platón, Foucault y Lacan, lecturas erotológicas. Esto va a tener lugar en el Hotel Ibis el viernes a partir de las 18:30 y el sábado a partir de las 9:30 de la mañana. Lo segundo que quiero decir es que hoy al principio hablamos de tres libros de Lori Lofer, hablamos de más, pero hay tres libros que están traducidos al español y a quien les interese los pueden encontrar en ese seminario. Esos textos son Las cartas a Lacan, Susurros del arte al psicoanálisis y Por un psicoanálisis emancipado, reanudar la subversión. Y por último, quería decir que este lunes, a las 19:30, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Sandra Berenger nos va a ofrecer la conferencia Soñar en una sociedad de antes de la sexualidad. Algunas reflexiones post-foucaultianas sobre la interpretación de los sueños de Artemidoro. Así que bueno, hechos estos anuncios, comenzamos el intercambio. Justo me fui en los últimos minutos que necesité salir un segundo. Ah, justo tuve que salir un segundo y el final. Y mejor. Perdón, capaz que te hago la pregunta de algo que dijiste. Pero de eso, de la teoría queer, está todas esas letras y al final ponen un más, ¿no? Y ese más... Sí, claro, plural, un plus más. Y siempre me quedo pensando si el psicoanálisis no estaría en, justamente ubicado ahí en ese plus, donde se puede construir uno, ¿no? Uno para cada uno, ¿no? Uno para cada uno. Para cada propio. No, varios. O varios. Sí. O más. Par rapport à la question de l'un. En relación a la pregunta del uno. Un jour, lors d'un congrès, d'un colloque. Un día, en el marco de un congreso. C'était en Tunisie. En Tunisie. Au moment de la révolution de printemps. En el momento de la revolución de la primavera. Il y avait un colloque qui s'appelait Les femmes dans la culture. Había un congreso que se llamaba Las mujeres en la cultura. Et j'avais fait une intervention sur le rire des féministes. Había hecho una intervención sobre la risa de los feministas. Et à la fin de l'intervention, comme il y avait pas mal d'émotions, parce que ces femmes étaient en train de lutter pour leur liberté, quoi, pour dire ça comme ça. Y al final de esta intervención había bastante emoción porque estas mujeres estaban luchando por su libertad. J'ai fait entendre l'hymne féministe français. Y les hizo escuchar el himno feminista francés. Et les femmes, enfin les personnes qui étaient là, se sont levées et ont commencé à chanter. Las personas que estaban ahí se levantaron y empezaron a cantar sobre este himno. Et donc tout beaucoup dans la salle étaient en train de chanter cet hymne. C'était très émouvant, très émouvant. Muchas personas en la sala cantaban este himno y era muy emotivo. Et à la fin, à la sortie de ce moment, il y a un psychanalyste, un monsieur psychanalyste très sérieux.
Y al final de este momento aparece un señor psicoanalista muy serio qui est venu me voir et qui m'a dit que vino a verme y me dijo tu as fait de l'un. Hiciste uno. C'est-à-dire qu'il citait Lacan quand il parle de l'un. Citaba Lacan cuando habla del uno. C'est-à-dire c'est-à-dire quand Lacan parle de l'un, c'est-à-dire comme quelque chose d'une, voilà, qui relèverait d'une exclusion. Donc certains, comme Melman et d'autres après, ont considéré que faire de l'un, ça relevait quelque chose de paranoïaque, parce qu'on fait de l'un par rapport à, etc. Quand Lacan habla de hacer el uno, voilà. Et d'autres interprétaron et hablaron que se trataría de hacer algo como paranoico, hacer del uno. Et en fait, ce qui était intéressant dans ce moment-là, c'est qu'il y avait un moment politique fort. Lo interesante es que en ese momento había un momento político fuerte. Et la façon dont certains analystes lacaniens interprètent ce moment-là. Y la manera en la que algunos analistas lacanianos interpretan ese momento. C'est faire de l'un. Es hacer uno. Voilà, donc c'est une façon de dire que pour moi, la question politique du genre, c'est une façon de défaire cette façon d'approcher, d'utiliser les arguments de discours. Pour moi, la question politique du genre est une manière de déshacer ces discours. De discours politiques oppressifs. Políticos opresivos. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est voilà, c'est ce que j'ai associé, disons. Dice que no respondió asoció eso. Je voulais raconter cette histoire. Si. Justamente sobre este último punto. Quería preguntar, porque creo que una de las grandes dificultades es este pasaje entre los discursos, sí, claro. O si el psicoanálisis es capaz de afectarse de otros discursos sin imponer su propia discursividad o discurso, claro, claro. A los otros y produciendo disparates, ¿no? Ça, alors, si j'ai bien compris, hein, c'est-à-dire, évidemment, on peut pas échapper à son propre discours, quoi. Enfin, si je... No se puede escapar a su propio discurso. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce que permet les théoriciennes de ce qu'on appelle standpoint, le savoir situé. Es lo que permiten hoy las teóricas de lo que llamamos el saber situado. Parce que c'est encore une critique, bien sûr, qui est faite à partir du moment où on prend la parole. Es todavía una crítica que se hace a partir del momento en el que se toma la palabra. Évidemment, on s'inscrit dans un certain discours. C'est difficile. Nos inscribimos en cierto discurso. Donc, par exemple, des théoriciennes féministes comme Sandra Harding ou Dana Haraway. Por ejemplo, teóricas feministas como Dora Haraway y ont mis justement en perspective ces épistémologies des savoirs situés. Pusieron en perspectiva esta epistemología de estos saberes situados. Dont les premiers points, c'est d'être partiel et partial. Donde los primeros puntos serían ser parcial, o sea, en español parcial, en algún modo. Et sous vos acceptions. Et donc, bien sûr, c'est-à-dire que, mais il faudrait que je dise les raisons. C'est pour ça, par exemple, que quand je raconte cette histoire de chant féministe en Tunisie, c'est une façon que j'ai de dire les raisons pour lesquelles je m'intéresse à ces questions-là. Quand je cuenta esta historia de este canto feminista en Túnez, es una forma de explicar por qué se interesa estas cosas. Les critiques qui sont faites notamment par les théoriciens queer ou les théoriciens du genre précisément à la psychanalyse. Las críticas que son hechas por los teóricos queer al psicoanálisis. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec Monique Wittig, c'est de considérer qu'il y a une espèce de surplomb de la position soi-disant neutre, hein, qui est une question difficile, hein, puisque, mais soi-disant neutre en dehors
en dehors de ses propres préjugés et ses propres normes. Pourtant, pardon, sí. Vas-y. Retomamos lo que estaba diciendo en relación a esta cuestión de lo neutro. Sí, c'est-à-dire que la crítica que de los teoricianos del queer es decir que los psicoanálisis son de surplomb. Que están encima voilà. O miran de arriba esta cuestión de lo neutro. Sí, c'est-à-dire d'être en dehors de la réflexivité critique. Están por fuera de la reflexividad crítica, de la reflexión crítica, de leurs propres normes, de leurs propres préjugés, de leurs points aveugles inconscients, de tout ça, quoi. De sus normas, sus prejuicios, de sus puntos ciegos inconscientes. Et ça, c'est l'un des points critiques les plus importants des théoriciens du genre vis-à-vis, par rapport à la psychanalyse. C'est uno de los puntos críticos más importantes de los teóricos del género en relación al psicoanálisis. C'est pour ça que Gaëlle Rubin, dans la citation tout à l'heure, elle dit que por eso que Gail Rubin en la citación que leíamos elle dit qu'en fait le plus important c'est, enfin le plus compliqué c'est le rejet par la psychanalyse elle-même de ses propres discernements. Dice Gail Rubin que lo más importante y complejo es, les leo lo que habíamos hablado hoy, le rejet par la psychanalyse elle-même de son propre, c'est-à-dire que d'une certaine façon le corpus théorique de la psychanalyse ne fait pas suffisamment une épistémologie critique. El corpus teórico del psicoanálisis no hace suficientemente una epistemología crítica de l'émergence de ces concepts. De la emergencia de estos conceptos. Et pourquoi, hein? De ces conceptos, de sous-conceptos. Sí, de los conceptos del psicoanálisis mismo. Claro. El rechazo del psicoanálisis de esos propios conceptos. Y pensar sobre ello. Claro. C'est pour ça que entre autres, mais c'est pour ça que, notamment à Lunch, mais pas seulement, mais c'est comme, enfin, c'est aussi comme ça que à Lunch a lu Foucault. Así también es como Alouche leyó a Foucault. C'est-à-dire comme étant, comme le dit Foucault, le généalogiste épistémologique de la psychanalyse. Siendo el genealogista epistemológico del psicoanálisis. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on commence à travailler avec Foucault, c'est très difficile de le lâcher parce que il fait véritablement un travail d'épistémologie critique sur. Cuando empezamos a trabajar con Foucault es muy difícil soltarlo porque justamente hace un verdadero trabajo de epistemología crítica. Mais non pas pour critiquer, enfin pour défaire ou critiquer la psychanalyse. Mais pero no para deshacer o criticar el psicoanálisis. Mais pour s'en servir. Pero para servirse de él. C'est dans le sens pour travailler justement avec para trabajar con él. Et avec les points d'extériorité possibles de con los puntos de exterioridad posibles. Et ça et bien et donc voilà, vous avez tout à fait raison. Quand Lacan dit que le contre-transfert c'est la somme des préjugés de l'analyste, ça veut dire quelque chose quand même. Cuando Lacan dice que la contratransferencia es la sumatoria de los prejuicios del analista, esto quiere decir algo. Je sais qu'il est tard pour vous. Dice que sabe que es tarde. Imaginez pour moi. Imagínense para ella. C'est vrai. Comme vous voulez, s'il y a d'autres si nadie tiene más preguntas o comentarios. Une. Quel est l'hymne féministe en Uruguay? Est-ce que vous connaissez l'hymne féministe français? L'hymne féministe uruguayo. Ah oui? Tenemos un hymne féministe uruguayo? No, la verdad, no. No tenemos. No tenemos. Una deuda. C'est pas sûr, hein? Ouais. Ah oui. Non, l'hymne féministe français, c'est une chanson qui a été écrite.
El himno feminista francés es una canción que fue escrita par plusieurs femmes dans les années 70. Por varias mujeres en los años 70. Donc c'est un groupe, c'est un groupement comme ça qui a écrit un certain nombre de paroles sur l'air du chant des marais, en fait, qui est un air qui est une chanson de résistance, en fait. Se escribió sobre una canción de resistencia, el canto del marais. Y bueno, es un grupo de personas, de mujeres feministas, que escribieron esas palabras. Va a para comenzar a chanter. Ah, José. La Armonía Sommer, una escritora uruguaya que se llama La Mujer Desnuda. Es una mujer a la cual se corta la cabeza para ser de otro modo. Si. Une représentation. Ça, c'est de la coupure, hein? Et ça, c'est un corte. C'est une représentation théâtrale de cette novela qui est Paso Más aún sur la question du féminisme. Il y a une représentation théâtrale qui a été faite sur ce roman, comme un pas de plus sur la question du féminisme. Mais c'est peut-être un acte de liberté. Dice que es quizás un acto de libertad. Radical, me. Sí, cuando escuchaba esta última parte de discusión, me acordaba de una entrevista que hicieron juntos Foucault y Deleuze, que la titularon Los intelectuales y el poder, Les intellectuales y le pouvoir. Sí. Donde justamente, alternativamente, ambos van planteando, cada uno desde su perspectiva, la problemática de hablar de teoría y de práctica por sí. separado y formular conceptos y teorías que después, formulados de esa manera, hay que aplicar, ¿no? Entonces, eso llevado a ciertas maneras de plantear el psicoanálisis en el extremo de la teoría de la técnica, por ejemplo. Pero la teoría es la práctica. Por eso mismo, claro, justamente poniendo en cuestión esa manera de plantear lo conceptual como algo separado de la práctica misma. A la vez hacía una pregunta que me pareció interesantísima, que decía Foucault, si lo que el saber al que tú te dedicas tiene una aspiración de ciencia, decime dónde te equivocás o dónde se equivoca ese saber. Estar atentos a los puntos de fracaso del saber de la práctica de cada uno, justamente. Exactamente, ¿no? Y justamente cuestionando la posibilidad, y ahí eso lo asocio directamente al psicoanálisis, de un saber totalizador. Sí, claro. Conceptual totalizador que dirija una práctica por separado del ejercicio del análisis. Ah, eso. Mais merci Sandra. Là, ce que tu dis me fait penser que c'est moi je pour moi, je trouve extrêmement difficile de dice que lo que tú decís le hace pensar que para ella le parece extremadamente difícil de penser ou produire quelque chose comme ça, de pensar o producir algo como esto, sans donner l'impression que ce soit prescriptif. Sin dar la impresión de que sea prescriptivo. C'est très compliqué en fait. Es muy complicado. C'est-à-dire que c'est toujours, il faudrait toujours que je me se retirer de ce qu'on est en train de produire, quoi. Debería siempre retirarse de lo que está produciendo. Et je me souviens que j'avais eu cette discussion avec Jean Alouche, parce que lui, il était toujours dans l'abstention. J'avais tenu cette discussion avec Jean Alouche, qui était siempre en l'abstention. Mais quand je discutais en disant, mais quand tu écris que pour ne pas être lacanien, il faut un point d'extériorité, c'est une façon de dire aussi. Y discutían que ella le decía que cuando, por ejemplo, escribe que para ser lacaniano tiene que tener un punto de exterioridad. Y c'est en fait, je trouve que c'est pour moi en tout cas, l'endroit d'une production de réflexion à partir de la psychanalyse qui est très difficile.
dice que es un punto de reflexión a partir del psicoanálisis que es muy difícil. Parce que en fait c'est pas on parle comme ça, c'est pas au-delà de etc. C'est comment je suis attrapée moi-même par des questions, mais comment no es hablar por hablar, sino cómo estoy atrapado o atrapada yo misma por algunas cuestiones. Mais qu'il faudrait que je défasse à chaque fois. Pero que debería deshacerlas cada vez. Voilà, parce que sinon ça fait un peu docte quoi. Porque si no queda como algo docto. Alors même que c'est précisément à l'inverse de ça que cuando es precisamente lo inverso lo que se quiere. Alors il y a des comment dire des façons d'approcher ça où on prend un autre objet. Hay maneras de acercarse a esto cuando tomamos otro objeto. Voilà, on prend un autre objet, on prend des écrivains, on prend des por ejemplo, escritores. Voilà, pour passer par l'extérieur. Para pasar por el exterior. Mais en même temps, c'est toujours une façon soi-même d'aborder de son propre point de vue et qui pero dit, siempre es una manera ouais. De sí mismo et c'est difficile, punto de vista. C'est difficile d'échapper à quelque chose de voilà de d'un peu prescriptif quoi. Y es muy difícil de escapar de algo que siempre va a ser un poco prescriptivo. Parce qu'à partir du moment où tu adhères à un discours, tu en fais aussi une prescription. Porque a partir del momento en que uno adhiere a un discurso hace de este una prescripción. Quand je lis Foucault, cuando leo Foucault ou Alouche ou d'autres, enfin Foucault, disons, je me dis ah mais c'est comme ça qu'il faut pratiquer la psychanalyse. Mais Foucault il aurait jamais dit ça. Cuando lo lee dice ah es así que debe practicarse el psicoanálisis, pero Foucault nunca hubiese dicho esto. Donc en fait c'est le rapport à l'adhésivité à un certain discours qui est compliqué. Lo que es complicado es la relación a una cierta adhesividad al discurso. Que ce soit ça ou ça ou ça. Perdón, que hago otra pregunta. Hace poco vengo escuchando algo, principalmente acá en Uruguay, yo no soy uruguaya, pero escucho eso acá en Uruguay, que es un psicoanálisis con perspectiva de género. Quería saber si vos ya escuchaste hablar eso. Avec une perspective de genre, ça veut dire, par exemple, ça voudrait dire. Creo que es algo como que lleva en consideración esa discusión, ¿no? La discusión. Mais du genre, ça veut dire dans le sens politique, dans le sens politique du terme ou politique. En realidad, yo no estoy tan al tanto de esa discusión. Escucho personas hablar en así, no sé, profundamente. Por eso te preguntaba sí. Si era algo que vos sabías. Creo que es algo de eso, o sea, un psicoanálisis que está discutiendo, cuestionándose o sí. Algo de ese sentido. Es decir que está, si yo comprendo la cuestión, yo voy a decir en francés. Es que yo, solo para terminar mi sí, pregunta, claro, antes claro. Que termine. Quería entender si, qué te parece, ¿no? O qué te parecería esa... Claro, esa distinción o esa denominación o hablar así o si se podría llamar eso de un psicoanálisis con perspectiva de género. O sea, no, c'est-à-dire, ah, d'accord, si je comprends la question, ça pose une autre question. Dice que eso formula otra pregunta. C'est, il me semble, ça veut dire qu'aujourd'hui, un des problèmes, je pense, une des questions, on va dire, une des questions aujourd'hui, c'est qu'il y a de multiples façons de qualifier la psychanalyse. Es que hay múltiples formas de calificar el psicoanálisis.
Mais ça a commencé avec la psychanalyse lacanienne. Que ella comenzó esto con el psicoanálisis lacaniano. Vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait une citation en disant la psychanalyse lacanienne. Hace un momento vimos una citación, una cita que decía el psicoanálisis lacaniano. Et donc, qualifier la psychanalyse, ça peut vouloir dire. Entonces, calificar el psicoanálisis puede querer decir. Psychanalyse féministe, psychanalyse matérialiste, psychanalyse décoloniale, psychanalyse de genre, psychanalyse, etc., etc. Féministe, décoloniale, de género, etc. C'est une question. Es una pregunta. C'est-à-dire, c'est une question dans le sens où est-ce que on continue de penser, enfin, on pense la psychanalyse, enfin, le corpus épistémologique et théorique de la psychanalyse. Or, pensamos entonces en el corpus réponse, hein. Epistemológico del psicoanálisis. Or, mais quand je vois par exemple que aujourd'hui il y a des personnes qui pratiquent, qui disent qu'ils sont psychanalystes décoloniales. Por ejemplo, dice que hoy hay personas que practican el psicoanálisis y dicen que son psicoanalistas decoloniales. Parce qu'ils prennent en compte. Une situation, parce qu'ils prennent en compte une situation, alors, notamment en France et au Brésil, etc., c'est très important, bien sûr, mais entre autres, hein, je pense ici un peu aussi, en Uruguay, je ne sais pas comment. Dites que en France et en Brésil, et quizás aquí en Uruguay también sea importante. Ouais. Mais par exemple, en France, c'est très très vif comme débat, ça. En France, esto es un debate muy vivo. C'est très vif. Par exemple, il y a des personnes qui sont racisées, enfin voilà, et qui ont une histoire coloniale française, qui sont issues de la deuxième génération de. Il y a des personnes qui ont une histoire coloniale française et qui viennent de la seconde génération en France et qui considèrent que ils ne pourraient aller voir que un psychanalyste concerné lui-même par ça. Y consideran que solo podrían ir a ver un psicoanalista que tenga que ver con esto, que esté concernido por esta situación. Et ça pose beaucoup de problèmes. Enfin, moi, en tout cas, ça me pose beaucoup de questions parce que c'est par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle des listes de safe, des psys safe, des médecins safe, des gynécos safe, des etc. Safe. Et c'est qu'en France. Hay listas de seguros, psicoanalistas seguros, médicos seguros. Mais le lieu de la le lieu d'une expérience analytique n'est pas safe. Y dice que el lugar de una experiencia analítica justamente no es estar a salvo. Même si vous allez voir quelqu'un dont vous pensez qu'il a traversé le même type d'expérience. Incluso si ustedes van a ver a alguien que piensan que atravesó la misma experiencia. Donc c'est pour ça que le psychanalyse en lien avec le genre, ça me pose beaucoup de questions aussi. Por eso es que psicoanálisis relacionado con el género también a ella le hace pensar en muchas preguntas. Bell Hooks, que vous connaissez sans doute, hein, qui est une théoricienne afro-américaine. Habla de Bell Hooks, una teórica afroamericana. Et qui dit une chose que je trouve intéressante. Elle propose de passer du safe. Ella propone de pasar del safe, del estar a salvo, au brave. Al brave. Brave. Ça veut dire courageux, quoi. Que coraje, digamos. Voilà. Et bon, c'est un passage que je trouve assez intéressant. C'est-à-dire que. Es un passage que a ella le parece interesante. Parce que l'expérience de l'analyse n'est pas une expérience de sécurisation ou de sécurité, quoi. Porque la experiencia del análisis no es una experiencia de seguridad. Mais c'est important quand même de retracer l'histoire de ce terme, de safe. Importante de volver a trazar la historia de este término safe. Parce que c'est toujours la même chose, c'est que c'était aux États-Unis, aux États-Unis d'Amérique du Nord, où les personnes discriminées ne pouvaient pas prendre la parole de façon justement sécurisée, sans être oppressées ou discriminées. Viene de las personas en América del Norte que no podían tomar la palabra sin ser oprimidas o discriminadas. Et qui ont décidé de se réunir dans des endroits qu'elles considéraient sécurisants pour elles, c'est-à-dire non exposés à une oppression. Donc ça vient toujours d'un endroit, en fait. Decidieron de reunirse en lugares que consideraban seguros, no opresores. O sea que el término siempre viene de un lugar.
Et juste pour terminer, avant de vous donner la parole, mais juste pour dire ça, c'est que en France, c'est extrêmement violent cette question-là, parce que es una cuestión extremadamente violenta. C'est parce que politiquement, on a le mythe français de du républicanisme universel. Porque políticamente se tiene el mito francés del republicanismo universal. La République une et indivisible, et donc la violence du débat politique vient du fait que la República una e indivisible, y entonces la violencia del debate viene de ce que le pouvoir considère que c'est communauté. Communauté, el poder considera que esas comunidades va détruire l'universel républicain. Va a destruir el universal republicano. Voilà. Oui, super. D'accord. Donc moi, je voulais simplement dire que je pense que par rapport à ce point en particulier, la psychanalyse doit quand même un peu assumer, parce que je suis vraiment désolée, mais le fait d'avoir des listes safe, ça veut dire que les gens ne se sentent pas vraiment comme ça. Pero lo puedo decir en español igual, no pasa nada. Claro. Que lo siento mucho, pero para mí un poco tiene que ver con que el psicoanálisis tiene que asumir, porque el hecho de que existan estas listas de seguridad significa que las personas no se sienten en un ambiente seguro como para poder expresarse. Donc, de ce point de vue, si on est dans un endroit où on se revictimise, où on sent la revictimisation, ça veut dire qu'il ne faut pas reproduire les mêmes discours qui sont perçus comme violents. Eso significa que si estamos en lugares que sentimos que son revictimizantes, tenemos que pensar qué estamos haciendo del otro lado para estar reproduciendo estos mismos discursos que son percibidos Exacto. como violentos. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, c'est-à-dire Merci. que le, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a ces psy safe, il y a ces voilà. Exactement. Es una de esas razones catastróficas y políticamente necesarias. Por las cuales están estos C-Safe que son políticamente catastróficos, pero a la vez políticamente necesarios. Parce que le problème du pourquoi politiquement catastrophique, je suis d'accord avec vous, mais à chaque fois qu'on parle de ça, effectivement, je reprends ce que Alperine dit. Vuelvo a retomar lo que dice Alperín, estoy de acuerdo con politiquement usted. Nécessaire, politiquement catastrophique. Políticamente necesario y políticamente catastrófico. Le risque de ça, c'est de réessentialiser les choses. El riesgo de esto es de réessentializar las cosas. Et qu'il faudrait que moi-même, en tant que psy, je n'ai vécu que ça pour pouvoir entendre ou comprendre qu'une personne qui aurait vécu. C'est évidemment pas sur ce terrain-là que ça se joue, quoi. Y tendría que ser entonces que yo como psy haya vivido o experimentado tal experiencia para poder entender. Et en même temps, cette violence-là, elle a existé et elle existe. Y al mismo tiempo, esta violencia existió y existe. C'est pour ça que, alors pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça qu'aujourd'hui m'intéresse la réflexion, savoir qu'est-ce que serait une, vous voyez, je vais la qualifier, une psychanalyse matérialiste. Es por esto que hoy me interesa la reflexión de qué sería un psicoanálisis materialista. Mais j'entends déjà toutes les critiques que je vais recevoir, et c'est très bien. Pero ya estoy esperando todas las críticas que voy a recibir y eso va a estar bien. Sur le fait de la qualifier matérialiste. Por el hecho de calificar el psicoanálisis como materialista. Mais cette critique, c'est la même critique que font les politiques français en disant on touche pas à la République une et indivisible. Es la misma crítica que hacen los políticos franceses cuando dicen no tocamos a la República única e indivisible. C'est-à-dire le républicanisme universel, tout le monde. Mais en fait, l'égalité et l'universalisme ne sert que, enfin, dans certains endroits, ne sert qu'à ceux qui ont le privilège de cet universel, évidemment. Dice que la igualdad y el universalismo no sirven más que a los que tienen el privilegio de poder usarlo. El problema es denominar o designar algo que sea intocable, lo que sea. Claro, 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 claro. Ouais, ouais. Qui n'est pas touchable, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Si hay algo que es intocable, Si, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça que le prochain livre, ça s'appellera Psychanalyse matérialiste. Es por eso que su próximo libro se llamará el psicoanálisis materialista. ¿Tienes contacto para los siguientes eventos, reuniones? Yo creo que estaba pensando durante toda la conferencia,
cuando sea el detalle de lo normativo, ya sea lo bisexual, lo que fuera, lo normativo, para mí lo que me resulta interesante es por qué, es decir, normas siempre hay, en la medida que claro, hay claro. Y que hay sociedad, hay normas. Lo interesante para mí es por qué algunos se aferran a las normas, felizmente o torturadamente, y otros que pueden hacer con las normas lo que les parece. ¿Cómo responde de façon globale? ¿Cómo contestar a esto de forma global? Bien sûr, c'est une question. Es una pregunta. Si j'ai bien compris, mais vous, je trouve que c'est vrai. Pourquoi certains attrapent quelque chose de la norme et d'autres? Alors, vous allez avoir des personnes de la psychanalyse qui vont vous répondre parce qu'ils rencontrent quelque chose d'un point de leur jouissance, d'autres qui vont... Mais bien sûr, je ne peux pas répondre à ça. Je trouve que ce que la... Non, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Lacan sur il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle, je trouve que ça c'est... Me parece interesante en relación a lo que dice Lacan de que hay normas sociales ya que no hay normas sexuales. Et on bricole avec ça. Chacun, hein? Bien sûr, il y a la norme mâle, mais ça. Il y a la norme macho. Ça c'est encore pour ceux qui y croient. Normal. Mais c'est pour ceux qui croient. Mais c'est après comment chacun s'en saisit, bien sûr. Ça, c'est le... Peut-être que c'est même le travail de l'analyse, de savoir. Después, ¿qué hace cada uno con esas normas y cómo las interioriza? Quizás ese también el trabajo del analista. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Gracias. Bueno, pues agregamos para finalizar la actividad. Agradecemos a Lori Lofer y, por supuesto, les agradecemos a ustedes por acompañarnos y los esperamos la próxima.